tous, bienvenue sur French Grip Channel. Aujourd'hui, vidéo très spéciale pour moi parce que je vais vous parler d'un batteur qui a été mon idole d'adolescence. Alors j'en ai aimé beaucoup des batteurs, mais celui-là particulièrement, parce que quand j'ai écouté ça pour la première fois, je me suis dit putain, lui ça défonce vraiment grave. On va parler de Nick Barker de Cradle of Filth, puis de Dimmu Borgir. Alors je sais que pour tous les gens de mon âge qui ont écouté du métal un peu extrême à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses sur le marché, mais Cradle et Dimmu Borgir, c'était les deux groupes un petit peu les plus gros dans ce marché du métal extrême, en tout cas côté black, parce qu'il y a le côté death et le côté black, donc côté black c'était les deux plus gros. Et on va voir que ces deux groupes là, même s'ils sont très différents de ce qui se faisait notamment en Norvège et en Suède avec le vrai black metal entre guillemets scandinave, les Darkthrone, Emperor, Burzum et tout ça, vous allez voir que c'est des groupes qui ont énormément compté sur cette scène là et que le batteur qui joue dedans, Nick Barker, n'est pas du tout un batteur à prendre à la légère. Je sais qu'il est un petit peu sous-estimé par rapport à tous ses homologues de tous les groupes norvégiens et suédois, alors que franchement c'est un putain de batteur incroyable. Donc on va essayer d'aborder beaucoup de choses dans cette vidéo en essayant que ce soit pas trop long, parce que moi je pourrais vous en faire une heure et demie sur Nick Barker. Bien sûr, il y a une cover de Cruelty Brought the Orchids qui est sur l'album Cruelty and the Beast, qui est un album très controversé, on va en parler dans la vidéo. Je vais vous parler de sa carrière dans Cradle, je vais vous parler de sa carrière dans Dimmu Borgir, ses projets parallèles, son kit de batterie, ses techniques, et puis on va essayer de voir un petit peu quel homme il est, parce que c'est un mec un petit peu spécial quand même, Nick Barker, sachant que c'est un... comment dire, un musicien qui a beaucoup d'entre-gens et beaucoup de copains, voilà, et que ça l'a beaucoup aidé dans sa vie. Allez, c'est parti, Nick Barker sur French Grip Channel. Alors on va découper cette vidéo en 4 étapes et on va commencer par l'avant Cradle jusqu'à la fin de Cradle. Alors l'avant Cradle, qu'est-ce que c'est? Bah déjà il est né en 73, il a eu un groupe d'abord qui s'appelait Catalepsy, on est en 91 quand la première démo sort, ça dure 12 minutes et on se rend déjà compte que c'est un putain de batteur. Il a que 18 ans et c'est déjà un batteur assez incroyable avec tous les skunk beats, tous les trucs un peu rapides, un petit peu double et tout ça. Et ensuite ça s'est appelé Monolith, c'est le même groupe, il a enregistré une démo et un album avec ce groupe là. Tout ça est écoutable sur YouTube assez facilement, je sais pas si c'est sur Spotify. Je sais que Catalepsy ça y est pas, mais voilà, vous pouvez écouter ça sur YouTube et vous rendre compte que Nick Barker est un backer assez précoce qui a apporté déjà beaucoup de choses dans son jeu alors qu'il n'avait que 18 ans. Et on est au début des années 90, hein, donc c'est pas du tout les mecs qui apprennent à jouer sur YouTube, là on est vraiment sur le dur du dur quoi. C'est le mec qui apprend à jouer quasiment tout seul en s'inspirant de ce qu'il connaît, en jouant par-dessus des disques, et après faut faire un blast beat, faut faire un plan double, bah on va se démerder, on va apprendre tout seul comment on fait. Donc ça c'est jusqu'en 1994, ensuite il va rentrer dans Cradle of Filth. Cradle of Filth, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe britannique de métal extrême, tendance black, mais avec des petits côtés gothiques, romantiques, une esthétique un petit peu comme ça, qui le différencie drastiquement de tout ce qui se fait à l'époque en termes de black metal, c'est-à-dire de tout ce qui se fait en Norvège et en Suède, donc en Scandinavie, avec les groupes les plus connus de la scène, que sont Mayhem, Emperor, Satyricon, Burzum, Darkthrone, tous ces trucs-là, qui sont dans un univers très satanique, très démonique, tous ces trucs-là, toute cette ambiance-là. Cradle, ça a pas être ça du tout. Cradle, on va être sur le vampirisme, le gothique, les romantiques, les trucs un petit peu comme ça. On va être un peu plus dans les fleurs, un peu moins dans les flammes, si vous voulez. C'est ça un petit peu le délire. Et c'est aussi pour ça que les true black metaleux n'aiment pas Cradle of Filth, parce qu'ils estiment que c'est un groupe de black metal pour les fragiles et pour les faibles. Alors, sur certains aspects, ils ont pas tort. En tout cas, idéologiquement, ils ont pas tort. C'est vrai que c'est complètement différent. Après, de là à dire que ça n'a rien apporté sur le plan musical et que ça n'a rien apporté au groupe de vrai black metal, c'est un peu faux. Parce que s'il n'y avait pas eu Cradle, il y a plein de groupes qui n'auraient jamais émergé, puisque Cradle of Filth a permis à plein de gens de mettre le doigt dans l'engrenage du black metal, un style qui serait resté hyper underground et hyper enfermé en Norvège s'il n'y avait pas eu des groupes comme Cradle pour parler de ce style là. Donc il y a eu Cradle of Filth dans un premier temps, et puis ensuite il y aura eu Dimmu Borgir. Mais la carrière dans Cradle, c'est en pour moi peut-être la plus importante, parce que c'est là qu'on a découvert Nick Barker. Nick Barker dans son prime, si j'ose dire, qui a apporté énormément de choses à la batterie en 4 albums: Principle of Evil Metflesh, puis ensuite Vampire Dark Fatalities in Fallenstein, ensuite il y a eu The Scanner Embrace qui pour moi est le plus important, et puis le dernier album avec lui qui s'appelle Cruelty and the Beast, qui a été très controversé parce que bah, même si les compos étaient absolument géniales dessus, suffit de réécouter le remaster complètement remixé de A à Z, parce que le son était vraiment naze de chez naze sur cet album là, à tel point que Sarah Jezebel Diva, la chanteuse qui a officié dans Cradle of Filth pendant très longtemps, est sortie d'une salle d'écoute en pleurant quand Danny lui a mis le disque, parce qu'elle a dit mais c'est pas possible, on n'entend rien de ce que je fais, on n'entend rien de la batterie, le son est nul. Elle a même tapé Nick Barker en lui disant mais putain c'est pas possible, mais écoute le son de ta batterie, c'est vraiment de la merde. Et lui il était d'accord avec ça, et même Stuart Anstis, le regretté Stuart Anstis qui vient de nous quitter, et Les Smiths qui étaient les deux principaux compositeurs à cette époque là dans Cradle, étaient d'accord. Ils n'étaient pas partants eux pour avoir un certain
Jan-Peter Genkel à la production, il voulait soit Andy Snip, soit Peter Tagdren, et le label n'a pas voulu. Ils ont embauché ce mec, Jan-Peter Genkel. Alors on ne sait pas comment ça s'est produit, on ne sait pas quel est le rôle de Danny là-dedans. Il se trouve que tout ça a toujours été un petit peu opaque dans Cradle, et c'est justement pour ça que Nick Barker a quitté Cradle of Filth. En fait, on pense, il y a plein de légendes urbaines qui disent que c'est parce que le son de batterie était pourri qu'il a pété un câble et qu'il est parti. En fait, c'est pas ça. Lui, il explique sa théorie des red flags. En fait, les red flags, c'est les drapeaux rouges. C'est-à-dire qu'il y avait trop de voyants qui étaient au rouge à ce moment-là, sur le plan financier, sur le plan de l'opacité de ce qui se tramait en coulisses à propos de Cradle, niveau tourneur, niveau label, niveau pognon. Lui, il estimait qu'il n'était pas assez au courant de tout ce qui se passait, et il trouvait qu'il allait droit dans le mur en restant dans ce groupe-là, même si c'était un groupe qui était vraiment plus qu'émergent à ce moment-là, c'est un groupe qui marchait bien, quoi. Et ben, il a estimé, malgré tout ça, qu'il n'était pas bien traité à sa juste valeur dans le groupe. Alors c'est son droit, c'est lui qui l'a estimé comme ça, et donc il est parti dès qu'une porte s'est ouverte. Et il se trouve que 3 semaines après avoir quitté Cradle of Filth, il s'est retrouvé dans Dimmu Borgir. Et dans Dimmu Borgir, il va franchir un autre palier, puisque dans Dimmu Borgir, il va carrément révolutionner la manière de faire de la batterie extrême, et il va rentrer dans l'histoire avec un album qui s'appelle Puritanical Euphoric Misanthropia. Et vous allez voir que là, par contre, il va se passer des tonnes de trucs dans Dimmu Borgir, et que pour lui, beaucoup de choses ont changé. Alors Nick Barker, c'était déjà un batteur exceptionnel dans Cradle of Filth. Il avait tous ses fils qui allaient à 10 000 à l'heure, il avait tous les skank beats à 10 000 à l'heure aussi, avec tous les plans de Charley qui vont super vite, il joue tout en double, enfin vous allez voir ça dans la partie d'après, parce que je vais vous faire une petite partie sur le style de Nick Barker et sa manière de jouer, certains plans qui sont des plans un petit peu signature. Et vous allez voir que dans Dimmu Borgir, c'est complètement différent, puisque dans Dimmu Borgir, on va lui demander de faire de la vraie batterie extrême, c'est-à-dire des vrais gros blast beats, des vrais gros plans de double, plein de trucs qu'il faisait pas beaucoup dans Cradle, parce que dans Cradle, il faisait des partie qui était peut-être un petit peu plus musicale et un peu moins mécanique. Et là, ce qui va se passer dans Dimmu, c'est que dans Dimmu Borgir, il va jouer plus vite, quoi. Il va jouer des trucs mais maxi bourrin, et à tel point que même le son de batterie va être fait en fonction. C'est-à-dire que ça va être un des premiers batteurs à trigger de manière vraiment ostentatoire sa batterie sur Puritanical. En fait, il va trigger sa batterie tellement que s'il avait pu trigger les cymbales, s'il avait pu trigger la ride, s'il avait pu trigger tout, il l'aurait fait, quoi. Donc il a trigué déjà toute la caisse claire, les tomes, la grosse caisse, tout le bordel. Et il a même tellement trigué sa batterie sur cet album là que sur le DVD World Misanthropy qui suit un petit peu la tournée de ce disque là et qui est un DVD live qui se passe à Wacken, là il a carrément un pad Roland. D'ailleurs, il explique lui-même que c'était une erreur de sa part d'utiliser un pad à la place d'une vraie caisse claire. Il s'était dit au départ que quitte à ce que tout soit trigué, j'ai qu'à utiliser un pad, c'est pareil. En fait, il s'est rendu compte en arrivant là que quand il tapait dessus, ça faisait pas de son parce qu'il y a une pommèche et qu'il avait aucun retour dans la main, il avait rien, quoi, il sentait rien, et il a trouvé ça, cette situation désastreuse, et tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule en disant mais putain, mais le mec il a carrément un pad, quoi, alors qu'il suffisait de mettre un trigger sur la caisse claire, il aurait pu quand même faire quelque chose d'un petit peu plus étudié. Enfin, c'était à l'époque, on est en 2001 ou 2002, et à ce moment là les triggers, c'est un petit peu la révolution. Enfin, tout le monde trigue sa batterie avec un Alesis D4 ou un DM5, enfin c'est un petit peu les balbutiements de ce truc là ou alors ils ont le trigger D-Drum là, le rouge, le D-Drum 4. On n'est pas encore avec les modules Roland hyper évolués, on n'est pas encore avec tous ces trucs là c'est un petit peu compliqué de trigger sa batterie de manière vraiment intelligente, et c'est révolutionnaire de pouvoir s'en servir comme ça, que ce soit quelque chose de vraiment fiable, en fait. Voilà, parce que c'était il y a quand même une vingtaine d'années maintenant. Alors maintenant, trigger la batterie en studio, c'est hyper simple, on utilise le trigger de Steven Slate et c'est super simple, mais à l'époque il fallait carrément utiliser les samples en direct. En fait on gravait les samples directement, sachant que les premiers albums de Cradle, ils sont tous enregistrés sur bande, hein. On parle pas de recalage avec Nick Barker, tout ce qu'il joue c'est parcalé, c'est à dire que ce que vous entendez sur le disque, c'est vraiment lui qui l'a joué. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question maintenant, qu'est-ce que tu penses du death metal actuel, du black metal actuel, bah il dit oui, il n'y a plus trop d'intérêt à écouter ça pour moi, puisque avant on basait tout sur les riffs et on faisait de la batterie en fonction des riffs, et maintenant on base tout sur la performance, la vitesse, les plans de double, etc., etc. Et finalement les riffs n'ont plus vraiment grande importance, puisque la plupart des groupes les enchaînent les uns derrière les autres, et lui il y trouve pas grand intérêt à ça. Alors je suis pas loin de partager son avis sur certains trucs, il y a quand même des groupes intéressants, peut-être qu'il passe pas assez de temps à écouter des trucs. Après, c'est son droit, il a presque 50 ans maintenant et il a apporté tellement à la musique que je ne lui en veux pas. Dimmu Borgir va faire des trucs avec lui qui sont super ambitieux, ils vont faire Puritanical Euphoric Misanthropia et ensuite Death Cult Armageddon, sur lequel il y a ce putain de morceau qui s'appelle Progenies of the Great Apocalypse, qui là est un morceau incroyable avec des orchestrations, des trucs incroyables, et c'est vraiment l'âge d'or de Dimmu Borgir qui ensuite fera pas mieux, en fait. Et tout ça, c'est avec Nick Barker. Donc l'âge d'or de Cradle, Nick Barker, l'âge d'or de Dimmu Borgir, Nick Barker. Et il va être débarqué de Dimmu Borgir, il va pas partir de lui-même, il va être débarqué pour tout un tas de raisons, l'une des principales évoquées étant qu'il est en Angleterre, que le groupe est en Norvège et qu'il préférerait avoir un
un batteur qui soit tout le temps là. Alors après, l'histoire va leur donner, enfin l'histoire va pas leur donner tort, mais l'histoire va les faire mentir, puisque finalement maintenant ils ont un batteur polonais. Donc quelque part, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Toujours est-il que Dimmu Borgir est toujours en haut de l'affiche, alors que Cradle c'est quand même un petit peu moins gros maintenant que Dimmu Borgir. Bah, Dimmu Borgir en fait a grossi énormément à ce moment-là, parce que si on va vraiment dans le fond de l'histoire de Dimmu, c'est un groupe qui date pareil du milieu des années 90, qui est issu de Norvège, qui est arrivé un tout petit peu après dans la seconde vague du black metal scandinave, mais qui au départ faisait du vrai black metal de garage, avec Chagrath qui faisait la batterie, la gratte, le chant, enfin voilà, il faisait à peu près tout dans le groupe. Lui il est resté toujours dedans, mais après c'est devenu un truc vraiment beaucoup plus élaboré, avec des orchestrations et tout le bordel, mais au départ c'est du vrai black metal, Dimmu Borgir, un petit peu comme Behemoth d'ailleurs, qui au départ faisait du vrai black metal, et qui maintenant fait quelque chose de vraiment différent, parce que le groupe a évolué avec le temps. Donc Nick Barker, il a apporté ça dans la batterie moderne, il a apporté les triggers, mais utilisés vraiment de manière ostentatoire. Alors après, on est un petit peu revenu en arrière, on a essayé de faire un équilibre entre la batterie acoustique et la batterie triggée pour faire quelque chose d'intelligent. Lui, il a fait quelque chose de très très bête. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il dit, c'est normal que les gens aient envie d'écouter un remix de l'album Puritanical, parce que si on écoute le son de batterie vraiment attentivement, déjà, faut bien savoir que Chagrath ne l'a jamais apprécié, ce son de batterie, mais qu'il l'a quand même laissé faire ça, et que lui, maintenant, quand il se réécoute, il dit, bah, moi, je trouve pas ça spécialement désagréable. Après, c'est vrai que c'est un peu fake. Sur tous les tomes, on aurait pu faire quelque chose avec un peu plus de dynamique, parce que là, c'est vrai que tout est exactement au même volume, avec un son vraiment hyper faux, et c'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Et quand on l'écoute maintenant à la lumière de tout ce qui s'est fait depuis, c'est vrai que le son paraît un peu grotesque et abusé. C'est vrai. Mais ça reste quand même un album qui est resté dans l'histoire et qui a vraiment fait rentrer Dimmu Borgir dans la cour des grands, puisque jusque-là, avec End from Darkness Triumphant, Godless Savage Garden, Spiritual Black Dimension, c'était un groupe qui avait sans cesse monté, mais avec Puritanical, c'est un groupe qui a commencé à faire des gros festivals, faire des gros trucs. Le DVD Live Misanthropy, il est tourné à Wacken, et c'est devant 40 000 personnes, donc c'est vraiment un énorme truc à ce moment-là. Et Dimmu Borgir est plus ou moins resté à sa place depuis, puisque maintenant il continue à jouer dans des gros festivals, il sort toujours des albums avec des gros moyens. Eonians, franchement, c'est pas mal du tout. Et là, ils vont remixer donc l'album Puritanical. Il y a déjà deux morceaux qui sont en ligne, il y a Puritania et Blessing Upon the Throne of Tyranny, qui sont les deux morceaux vraiment emblématiques de cet album-là. Une fois qu'il a été débarqué de Dimmu Borgir, il a entamé une carrière de manager tout en gardant les projets parallèles dans lesquels il était. Alors il a participé avec Galder aux albums de Old Man's Child, qui est un groupe un petit peu annexe de Dimmu Borgir, puisqu'il y a des membres un peu qui se partagent un peu les rôles là-dedans. Donc il a participé à ça, il a enregistré plusieurs albums, et puis il a participé à des tournées aussi avec tout un tas de groupes. Il a monté Lock Up avec le bassiste de Napalm Death, qui est un groupe de grindcore, c'est super bien Lock Up. Il a participé à des tournées avec Testament, il a joué avec Anathema, il a joué avec Gorgoroth, il a joué avec plein de trucs, il a fait énormément de choses, Nick Barker. Et surtout, il est devenu aussi manager de groupes comme Hate Eternal, comme Nile. Il a parcouru le monde comme ça parce qu'il a une qualité très très importante chez les musiciens, c'est qu'il est sociable et qu'il a plein d'amis. Par exemple, un de ses meilleurs copains, c'est Gene Oglan. Et c'est marrant parce que quand il parle de Gene Oglan, il dit, bah, moi, j'étais dans une bagnole avec lui en 95, il me fait écouter les démos de Symbolique, et quand j'entends qu'il a deux rides et qu'il fait des plans comme ça alambiqués, bah, moi, ça m'influence. Alors c'est marrant parce que au départ c'est un batteur anglais, il est influencé comme tous les batteurs anglais par Nico McBrain, qui était un de ses batteurs préférés, il est influencé par Neil Peart aussi, qui est un des batteurs préférés de tout le monde de toute façon, et il est aussi influencé par ses potes, et il discute avec Gene Oglan, et ça fait maintenant 30 ans que c'est son pote. Et quand il a écouté les démos de Death, il a fait, putain, mais c'est ça que je veux faire, moi je veux en rajouter des trucs comme ça. Et donc c'est marrant parce que quand on examine son style, on se rend compte que c'est un mélange de batterie des années 70-80 et un mélange de trucs très modernes dans lesquels il a apporté vraiment sa sauce avec énormément de vélocité, énormément de vitesse. On lui reproche de pas taper fort, et ça c'est vrai, il tape pas très fort, mais je vais vous en parler dans la partie qui est vraiment consacrée à ses techniques et ses trucs à lui. Il tape pas très fort, mais il y a des raisons pour ça. Alors je dis pas qu'elles sont bonnes, je dis pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste que jouer comme ça, pour lui, ça fonctionne, voilà. Et puis en plus, c'est pas forcément si vrai que ça qu'il tape pas très fort, parce que les breaks dans Cradle of Filth, les breaks du morceau de Skinner Embrace, faut quand même les frapper pour qu'on entende quelque chose, donc il n'y a pas de panique. Maintenant, on va parler un petit peu de son matériel. Alors son matériel, ça a été pendant très longtemps des batteries Pearl. D'abord une batterie Pearl qui était perso à lui, qui était une batterie Pearl Export, avec lesquelles il a enregistré quand même Principle of Evil Metflesh, et il a enregistré Vampire aussi avec cette Pearl Export, donc c'est quand même un truc de ouf. Il est passé ensuite après à une batterie un petit peu plus haut de gamme qui était une Pearl Master Series, qui était sa première batterie de batteur endorsé, et qui est aussi la première batterie neuve qu'il a possédée dans sa vie. Elle était rouge avec la castillage doré. Cette batterie, il l'a utilisé un petit peu dans Cradle, et ensuite elle est partie en Norvège avec lui pour jouer dans Dimmu Borgir. Et quand il était chez lui, il utilisait une batterie électronique Roland TD-10, parce qu'il était aussi endorsé par Roland.
mais la batterie Pearl qu'il avait, elle l'a suivi pendant presque 10 ou 15 ans, et ensuite, il l'a conservé cette batterie, et maintenant elle est toujours chez lui dans une cave, il l'a carrément fait rénover, il a changé les coquilles en plaqué or par des coquilles noires, il a changé les cercles emboutis par des cercles moulés, pareil, noirs, il a changé le système ISS par un système OptiMount, qui est le modèle de maintenant, mais il a toujours cette batterie Pearl Masters, et il dit, je suis trop content parce que c'est une batterie qui me tient énormément à cœur, que j'adore, qui est super belle, que tout le monde connaît, et qui sonne très très bien, et je suis content d'avoir fait rénover, il a pas du tout envie de la vendre. Alors, il avait à une époque mis une cymbale en vente sur une espèce de tombola géante, fallait acheter un ticket à 25$, et on pouvait peut-être gagner sa Paste Signature ou Dimensions 24 pouces, avec une grosse cloche là, ça c'était marrant. Alors, d'ailleurs, pour les cymbales, il a d'abord été chez Zildjian pendant toute la période Cradle, et quand il est passé chez Dimmu Borgir, vu que Zildjian a arrêté de faire les Z Custom et que lui il aime les cymbales très épaisses, il s'est demandé s'il pouvait pas trouver une marque qui lui fabriquait des cymbales très épaisses. Évidemment, il a été séduit par la gamme rude de chez Paiste, donc il est passé chez Paiste. En plus, Paiste lui a fait plus ou moins plein de faveurs, puisque quand il a eu sa nouvelle batterie, la Pearl Masterworks, avec tous les tomes devant, là il y a une photo très connue qui circule avec lui avec des lunettes de soleil, une tenue toute noire et la batterie qui est intégralement noire, y compris les cymbales, Paiste lui a fait des cymbales noires rien que pour lui, donc il était très content d'être chez Paiste. Mais Paiste fait beaucoup ce genre de trucs, puisque par exemple ils ont fabriqué des cymbales blanches pour Elhammer, des cymbales noires pour Joey Jordison. Bon, après Joey Jordison c'est encore un autre niveau de notoriété, de même que la ride bleue pour Stewart Copeland, les cymbales rouges avec les color sound que adore Aquiles Priester. Enfin, Paiste a fait beaucoup de choses au niveau des cymbales pour les batteurs, pour un petit peu customiser tout ça, et pour Nick Barker y compris, comme quoi c'est pas n'importe qui Nick Barker, surtout à cette époque là alors maintenant, est-ce que c'est toujours un batteur vraiment actif Nick Barker? Bah, il joue de temps en temps, mais il joue pas énormément. Il aime bien regarder le niveau, il aime bien s'entraîner chez lui à jouer de la batterie. Il joue toujours un petit peu dans certains de ses projets parallèles. Il vient de monter un truc qui s'appelle Borstal, qui fait du New York hardcore, si on peut dire. Ça lui va assez bien. Je sais pas si des groupes tels que Lockup, Brurelia, tout ça, ça existe encore. C'est un petit peu petit bonheur à la chance, ces trucs là de temps en temps ils se reforment, ils font un album, ils font une tournée de festival, et puis salut, on n'entend plus parler pendant 2-3 ans. Enfin bref, lui fait partie de tous ces trucs là, et quand on l'appelle, il répond en général présent. Et c'est quelqu'un qui est relativement sympathique, qui passe vraiment beaucoup de temps à répondre à des interviews. C'est assez facile de savoir ce qu'il pense sur tout un tas de sujets, même si quand on lui parle de Danny Fils ou de Chagrat, c'est des gens avec qui il a pas l'air de trop s'entendre. Il est toujours en relation avec Galder, il est toujours en relation avec Les Smiths, il est toujours en relation avec ces gens-là, mais avec les têtes pensantes des groupes dans lesquels il a passé énormément de temps, pas trop, apparemment ça s'est pas très bien passé en ce qui concerne la fin. Ce que je vous propose, c'est de repasser derrière le kit pour un petit peu examiner son style de jeu, pour un petit peu examiner ses mouvements signatures, puisqu'il en a quand même pas mal, et c'est un batteur qui pour moi est très très important dans l'univers du métal, puisqu'il a apporté beaucoup de choses, il a apporté de la finesse, il a apporté de l'imagination, il a apporté de la créativité, et tout ça en ayant une vitesse supersonique, notamment les breaks sur les tomes. Franchement, je vais pas vous mentir, si je devais jouer à la note près tout ce qu'il fait dans Dimmu Borgir ou dans Cradle of Filth, je serais dans une galère sans nom, et je pense qu'il y en a beaucoup chez vous, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seraient aussi dans une galère sans nom, parce que c'est vraiment très difficile, notamment le morceau qu'on a joué à la fin où il y a ces plans de ride à 248 là, c'est dur, c'est rapide et c'est long. Alors avant de vous laisser tranquille avec Nick Barker et de vous laisser avec la reprise de Cradle of Filth issue de Cruelty and the Beast, qui est un morceau qu'on a enregistré intégralement, on a tout refait, c'est pas une séquence sur laquelle je joue, c'est Julien Negro qui a tout refait, mon ami Julien qui a tout refait, il a fait la guitare, il a fait la basse, il a fait le chant, je sais pas comment mais il a fait le chant. Il y a jamais de séquence sur French Riff Channel pour ceux qui viennent de débarquer, pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui des fois se posent la question. Non, il y a jamais de séquence, que ce soit Toto, Phil Collins, Cradle of Filth, Cannibal Corpse, voilà, il y a jamais de séquence, c'est toujours fait intégralement ici au studio et un petit peu chez Julien aussi. Donc là ce que vous allez entendre c'est tout refait intégralement, voilà, c'est peut-être pour ça que la prod est discutable. vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou pas. De toute façon c'est un album qui était mal produit à la base, donc maintenant le remaster est super, mais l'album de base il était mal produit, donc tant qu'à faire autant essayer de faire au mieux. On a fait du mieux qu'on a pu en tout cas. Je voulais vous parler un petit peu des techniques de Nick Barker, parce que s'il est influencé par ses batteurs de cœur que sont Nico McBrain, Neil Peart, ce genre de mec, il a aussi des influences contemporaines à son époque, c'est-à-dire que Gino Glenn est son ami, mais Gino Glenn l'influence quand il a vu une deuxième ride dans Death avec des plans un peu alambiqués, des trucs chelous. Il s'est dit putain mais ça aussi il faut que j'essaye. C'est un batteur qui a été en avance sur son temps pendant longtemps, même si maintenant il estime lui-même qu'il est largué parce que ça va plus vite, parce que machin, parce que truc. Il a apporté tellement de choses au métal extrême et on s'en rend pas forcément compte. Moi par exemple il y a plein de trucs que je lui ai piqué. Donc ces breaks de Tom à lui c'est pas la technique Mike Portnoy, c'est pas la technique ça là. Permet d'aller super vite, mais qui est un mélange de pied et de main. Lui, il utilise ses mains sur les doigts.
Voilà, il fait tous ses breaks comme ça quasiment. Il a plein de tomes devant lui. Alors, selon les kits qu'il a utilisés, il y en a eu plein des kits, on va en parler aussi. Mais il utilise essentiellement ses mains. Ce qui lui permet de mettre des accents au milieu de ses breaks. C'est quand même plus simple de mettre des accents au milieu de ses breaks quand on utilise que ses mains. On met la grosse caisse à des moments opportuns. Et par exemple, il y a un break qu'il fait souvent. Alors, il le met sur des splashes devant, il peut le mettre sur des China à côté de lui. Là, c'est un break que je lui ai piqué, dont je me sers souvent, mais ça, c'est Nick Barker qui le fait. Il y a autre chose, quand il fait un skank beat, c'est systématiquement infernal, parce que lui, le skank beat, c'est jamais un skank beat d'escroc avec le charlet uniquement sur la caisse claire. Lui, il va toujours doubler le charlet, et c'est horrible. Par exemple, dans le morceau qui est à la fin de la vidéo, c'est 248 le tempo sur le charlet, et c'est infernal de jouer du charlet à 248. Alors, petit tricks pour ceux qui font ça souvent, et si vous avez envie de doubler le charlet parce que vous trouvez ça classe, ne le jouez pas sur la tranche parce que, vu que c'est assez mou, un charlet, c'est assez soft. On n'entend rien, et on n'entend pas que vous doublez le charlet, on entend juste un gros halo comme ça, et en plus ça vous fatigue parce que ça vous fait utiliser le poignet, parce qu'avec les doigts c'est compliqué. Si vous voulez utiliser plus vos doigts, vous jouez sur le sommet du charlet avec l'olive. Ça vous permet d'avoir un peu d'attaque, un petit peu plus de définition, et c'est un peu plus facile à jouer. Alors vous avez une position à la con, comme vous voyez faire dans la vidéo, mais ça rappelle la même position que sur la ride. Et un truc qu'il fait dans les skank beats, lui, c'est que le deuxième coup de grosse caisse, parce qu'il y a le coup de grosse caisse straight, celui du pied droit, celui du pied fort en gros. Et souvent on a tendance à mettre le deuxième coup, celui à gauche. Un peu toujours au même endroit. Et ben lui, il va le déplacer ce truc-là. Il le met un petit peu n'importe où et ça crée des espèces de déséquilibres comme ça qui sont assez rigolos. Alors, quelque chose qui faisait beaucoup au temps de Cradle of Filth, c'est qu'il jouait pas beaucoup de blast beats normaux. Blast beats normaux, c'est ça. Là, je le fais à un pied, mais bon, lui, il le joue à deux pieds. Ça, il l'a fait dans Dimmu Borgir énormément, mais dans Cradle, il le faisait pas beaucoup. Pourquoi? Et ça, c'est lui qui le dit. Parce que les musiciens de Cradle, ils avaient du mal à se repérer dans les blast beats comme ça. Donc lui, il préférait faire des blast beats, des bombes blast, en fait. Mais avant même qu'on appelle ça des bombes blast, parce qu'on est au milieu des années 90, on n'est pas encore en train de décortiquer les techniques des batteurs de métal extrême, lui, il jouait des bombes blast. Et il jouait des bombes blast super rapides. Si vous prenez le morceau Dusk and Her Embrace sur l'album du même nom, ça va, mais super vite, quoi. Et après, il double le charlet en plus. Et ça va super vite. Et c'est juste après sa séance de break interminable. C'est un putain de batteur, il se passe des tonnes de trucs. Alors on lui reproche souvent de ne pas avoir beaucoup de frappe. Lui, il dit, moi l'essentiel, c'est que je déclenche les triggers sur la grosse caisse et qu'on entende à peu près les tomes quand je joue. Donc dans Cradle, ça marche très bien. Et dans Dimmu Borgir, bah, comme il a tout trigué, lui, son but, c'est de déclencher les triggers. Alors c'est vrai que c'est un petit peu discutable comme manière de jouer, parce qu'on n'entend plus vraiment la batterie, on entend des déclenchements, on entend des triggers, des sons électroniques. Mais quoi qu'il en soit, quand même super batteur. Et dernier truc que je voulais partager avec vous sur ces techniques, c'est que même quand il va jouer un morceau avec un pattern lent, il va avoir tendance à mettre des rafales de grosses caisses au milieu de tout et n'importe quoi pour rappeler quand même que c'est un batteur de métal. Il fait ça très souvent. Voilà, c'était un petit peu les trucs et astuces que je pouvais vous partager sur le jeu de Nick Barker. Alors, dans la mesure de mes capacités, dans la mesure de mes connaissances de ce qu'il fait, évidemment, on n'a pas du tout le même style, ni le même parcours, ni la même carrière, ni le même talent. Lui, c'est un immense batteur que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, et je suis très content de vous partager des trucs sur son compte, parce que ça me fait plaisir qu'on parle de lui en tant que musicien. Et puis, ça me fait plaisir aussi d'avoir pu enregistrer une reprise de cet album qui s'appelle Cruelty and the Beast, parce que pendant très longtemps, ça a été un album qui a été
était tellement décrié à cause de la production que je suis content d'avoir pu un jour, moi, mettre le nez dedans et pouvoir mixer un morceau de cet album-là grâce à Julien qui a fait un travail titanesque. Alors même s'il a été remixé, remasterisé et que le nouveau son sonne très très bien, ben, je suis content qu'on ait essayé, nous, de faire quelque chose et j'espère que ça vous plaira. Donc ça s'appelle Cruelty Brought the Orchids, issu de l'album Cruelty and the Beast qui est sorti en 1998. J'espère que ça vous plaira. C'était Nick Barker sur French Grip Channel. Merci à tous et à bientôt.